Shot sprint, 1.2. Et salut tout le monde, c'est Raji. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo plus courte que d'habitude. Et oui, je pense que vous aurez sûrement reconnu cette petite musique. Il s'agit de Jump Sprint. Alors oui, je l'ai déjà montré sur la chaîne en vidéo découverte. Mais je tenais à montrer de nouveau une petite vidéo à son sujet. Parce que le développeur a fait une petite mise à jour et pas des moindres. Parce qu'il y a quand même quelques petites nouveautés sympathiques, histoire de pousser un petit peu plus le divertissement. Et je vais vous montrer tout de suite dès que... Ah ouais, c'est bon. J'ai un éternuement qui se profile à l'horizon. Mais il est reparti. Bon, bah voilà, on va pouvoir y aller. Ce que je vais faire... Il y a un zoom. Traduction activée. On va mettre le jeu. Il est à combien de pourcents le jeu? 18%. 16%. On va mettre comme ça. Tester les enceintes. Apprendre les sons. Démarrer jeu. Alors voilà. Que je vous parle un petit peu des petites nouveautés. Donc, au menu du jour, on a... Des nouvelles armes. Donc auparavant on avait juste le couteau et la batte. Maintenant on a un pistolet et un fusil à pompe ou fusil de chasse, comme vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté? On a la possibilité de s'orienter à droite ou à gauche avec les flèches droite et gauche. Pour l'instant j'ai pas bien saisi à quoi ça peut servir. Maintenant, on a aussi la possibilité de sauter au choix. Ça, c'est, je trouve, vraiment pas mal. Soit avec la barre d'espace comme auparavant, soit avec la flèche haut. Donc voilà. On a également la possibilité de frapper avec nos poings avec la touche F. Pour tirer avec nos armes à feu, ça sera la touche G. Pour recharger, ce sera Shift G ou Maj G, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir comme raccourci? On a H, pardon. H pour savoir nos statistiques de points de vie. On a la possibilité de manger des parts de pizza pour nous remettre à fond, nous restaurer. On a également la touche P pour consommer nos touches de pizza. On a la touche A pour savoir le nombre de munitions restantes dans notre chargeur. Et est-ce que j'oublie rien? Je ne crois pas. Je crois que j'ai tout dit. Et maintenant, comment ça se passe alors? Notre personnage court toujours tout seul. À nous de sauter et de tirer ou de frapper les obstacles qui s'offrent à nous pour nous ralentir. On va avoir des espèces d'objets qui vont être sur notre chemin aussi, qu'on va pouvoir ramasser, sachant que on ne peut pas savoir à l'avance si ça va être un bon objet ou non, parce qu'on va pouvoir bénéficier soit de petits boosts, soit de petits malus. Donc on va pouvoir être accéléré très vite, on va pouvoir être ralenti, on va peut-être pouvoir piocher quelques parts de pizza sur la route, des petits bonus de points, mais également des petits malus de points, et ça voilà, ça peut faire rager, mais bon, c'est comme ça. Moi pour ma part, je trouve ça très rigolo. Allez, on va montrer ça tout de suite. Traduction activée. Voilà. Apprendre les scénarios. Démarrer jeu, on va peut-être augmenter le volume d'NVDA parce que je l'ai pas mis trop fort, mais avec le son du jeu, j'aimerais bien que vous entendiez un peu comment ça se passe. Hauteur 50, tome 60. Ouais. Voix de main, français, haut de gamme, débit 90, hauteur 50, tome 60. Tome 65, tome 70. Voilà. Allez, c'est parti. Apprendre, démarrer jeu. Alors, moi je vais prendre le fusil de chasse. Fusil de pompe.
qu'on charge. Et 3 sur 3 chargés, 162 munitions restantes. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. Là il y a un petit foyer, on va sauter. Un objet qui se profile, regardez, enfin écoutez plutôt. Alors on approche. C'est bon. Voilà. Alors, on peut immédiat. Tranche de pizza, voilà. Peut-être mettre encore un peu plus fort. Tome 75. Tome 80. Voilà. Peut-être qu'on entendra mieux. Changement d'environnement. Il semble que le son du jeu est très fort par rapport à Nvidia. Là on est dans la ville. Alors, sachant qu'avec cette version, mon meilleur score est de 100. Déduction de points. Moins 2. Voilà, donc là je suis à moins 2, j'ai eu un malus. Faut que je me concentre aussi, hein. Essayer quand même de faire quelque chose de bien. Alors, un mur. Wow. 0. Je vais retomber à 0, j'aimerais bien pouvoir. Alors là il y a un mur encore. Encore, et rien mieux, et je me le suis pris en pleine nuit. Changement d'environnement. Ville. Bon, toujours dans la ville. Un. Allez. Oh. Mission de la santé. Voilà, donc là. Miam, délicieux. Vous êtes doué. Un peu trop tôt. Hélico. Donc vous avez entendu, il y a eu un. Oula, c'était dangereux ce que j'ai fait. J'ai pas. Oh, j'ai eu un bonus d'accélération, ça je déteste ça. Parce que plus ça va vite et moins je suis bon. Changement. Je suis pas très bon de base. Mais alors quand ça accélère, je suis encore moins bon. Quoi? Putain. C'est quoi? Ah! Non! Mais non! Non! J'ai mélangé un hélico avec un espèce de je sais pas quoi. Découpez dans le groupe, l'espace saute au-dessus de la voiture. Si vous ne sautez pas, la voiture vous écrase. Bon. Vous avez terminé avec 9 points. Bon, j'ai terminé avec 9 points. Vous avez gagné 9 pièces. On va faire une partie pour essayer de vous montrer d'autres environnements. Menu principal, c'est. Il y en a un nouveau là qui a fait son. Apprendre les sons, démarrer jeu. Son entrée dans le. Ah bah non, c'est pas celui-là. Fusil pompe. Là, on est dans le central électrique. Central électrique. Voilà. Donc, j'essaie de faire en sorte de communiquer un petit peu avec vous pour vous commenter un peu ce qui se passe. Et du coup, je suis beaucoup moins concentré. Alors là, il y a des petits boutons pour qu'on appuie. Diminution de la. Ah non. Bien, vous êtes doué. Voilà. Marche avec un bouton vide derrière, pas oublier de les appuyer. Voilà, on passe les portes. Changement d'environnement. Ah, là on est dans la forêt, je vais pouvoir montrer un petit peu l'avantage des armes à feu. Mais on n'a toujours pas eu le nouvel environnement. Qui a été rajouté. Je vais bien pouvoir tomber dessus. Voilà, un petit gouffre. Et voilà, là il y avait un buisson. Du coup, je l'ai dégommé là au fusil. Diminution de points. Alors non. De sur 3. J'ai une diminution de points, donc ça ne joue pas. Tranche de pizza. Tranche de pizza. Vous prenez combien de tranches de pizza, regarde. 500 points de vie, 53 parts de pizza. Ah, j'ai 53 parts de pizza. Et voilà. Donc, tout ce qui est noix de coco et buisson, là, on n'a pas encore une noix de coco. Changement d'environnement. C'est assez marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines maps en fait qui ont été un peu nerfées, un peu, si je puis dire comme ça. Comme avant.
C'est d'aller un peu plus loin. Youhou. 11. On est à 11, ça y est. On a dépassé notre score d'avant. C'est déjà pas mal. Changement d'environnement. Ah, on est sur le jump sprint officiel. Saut sprint parcours officiel. Hop là. Je vais pas mourir. Wow. On dégomme le buisson. Diminution de la santé. Wow. Là, vous êtes doué. C'est une boule de feu. Vous êtes doué. Là, vu que... Augmentation de la santé. C'est quoi ce truc là? Augmentation de la santé. Non. Vous êtes doué. 525 santé, 53 tranches de pizza. Wouhou. Je prends ça. Déduction de points. Non. Wouhou. Ramsey, vous êtes doué. Ah, ça m'a ralenti, c'est bon. 10. On a perdu plein de points. Déduction de points. Encore 5. Bah voilà, on tombe à 5. Génial. Génial. Changement d'environnement. Alors. On est où? Ville. Dans la ville. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'hélico. Wow. Ok. Allez. Bah voilà, c'est le volcan, c'est ici. Volcan. Ah. Allez. Parce que... Ça va trop vite. C'est ici. Wouhou. Allez. Ah, ralentis-moi, oui. 18. 2239, 0, droite, 1.6 par seconde. En plus. Ville. Ouais. Ouais. Déduction de points. Augmentation de la santé. Ah, merde. 34, mia. Vous êtes mieux. Oh putain. Putain, heureusement que j'ai un bonus de points de vie. Changement d'environnement. Parce que là, sinon j'étais mort là avec le mur que je me suis pris à pleine vitesse.
changement d'environnement. Vous êtes Elle est tombée dans le trou, elle a continué à courir. Vous êtes doué. Donc, le temps de l'équipe de bombarder les arcades avec votre tête et de créer des boss formes de visage à chaque fois. Pouvez, vous s'il vous plaît, me rendre service et appuyer sur la touche pour passer directement sur l'arche. Merci. Faut que je ralentis juste la vitesse, pardon. Hauteur 50, top 80. Hauteur 50, débit 90. Débit 55. Donc, quand vous avez fini de bombarder les arcades avec votre tête et de créer des boss en forme de visage à chaque fois, pouvez-vous s'il vous plaît me rendre service et appuyer sur la touche fléchée vers le bas pour passer correctement sous l'arche? Merci. Vous avez terminé avec 29 points. Voilà. Vous avez gagné 29 pièces. Vous avez maintenant 634 pièces. Ouais. Menu principal. Et voilà. C'est sur cette cuisante collision qu'on va se laisser. J'espère que ça vous aura peut-être donné envie de rejouer au petit jeu. Donc il faut juste récupérer la mise à jour du lien. Lien que je vais vous mettre dans la description, hein, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus et à récupérer juste la mise à jour du lien. Vous décompressez le fichier. Si vous le mettez au même endroit, je sais pas si vous avez par exemple pas mal de coins, enfin d'argent dans votre partie, du coup vous avez juste à le décompresser dans le même dossier où vous avez votre jump sprint. Et du coup, il va vous demander si vous voulez remplacer vos fichiers. Vous dites oui pour tout. Et comme ça, vous gardez tous vos statistiques en l'état. Et voilà, avec la petite mise à jour qui va bien. Voilà. C'était pas très probant hein, comme démo. Désolé. J'avoue que j'ai du mal à me concentrer en même temps que je parle. Mais c'est comme ça. En tout cas, je me suis éclaté à faire cette petite démo pour vous. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude bonne matinée, bon après-midi ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao.